Donc là, en fait, je viens juste d'arriver sur le bateau. Je me suis levé un peu tôt, 6h30, parce que la plongée, elle est à 7h15. Donc là, on est sur un bateau, ça s'appelle le Blue Beach. Et du coup, en fait, on n'aura pas beaucoup de monde, donc il y aura juste un instructeur qui va plonger avec moi et un autre mec. Tout le monde à peu près américain, en fait, sur le bateau. Ça, c'est les gears. Je vais écouter les instructions toutes. Là, je vais juste faire une petite inspection du gear. Alors, je vais juste vérifier. Il m'a dit que j'avais les plombs dans la tenue, pas de ceinture. Les pommes sont bonnes. Petit bateau, mais ça a l'air de rouler. Alors, on vient de faire les explications de sécurité. On est en train d'enfiler la combi, le monopole est devant là. Ouais, donc il a dit que j'avais pas mal de trucs sympas, genre des tortues, un scooter de requin, ouais, mais elle est assez fine, enfin, ce qui est assez profond. Il a dit qu'il faut pas toucher à quoi que ce soit, les petites bébêtes, les paf, tout ça, genre rester tranquille, les bras loin du corps. Thank you.
reviens de la plongée avec l'épave là. C'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. C'est rigolo de voir tous ces volumes du coup sous la mer. Il y a tous les poissons qu'on en fait un peu leur habitat. Et puis il y avait le requin. Il y avait un peu partout. On n'a pas vu de tortue à cet endroit-là, mais là apparemment la prochaine plongée on devrait en voir. Et puis on a toujours cette vue de fou. À la fraîche, mais l'eau est pas si froide que ça, on a toujours un petit arc-en-ciel pour nous accueillir du coup le matin, c'est vraiment pas mal.
deuxième plongée. C'était vraiment pas mal. On a vu les tortues. On a vu l'octopus qui a changé en fait de toutes les couleurs quand on l'a attrapé, quand on l'a un peu asticoté. Mais c'était vraiment pas mal. Les tortues qui dormaient à droite à gauche, c'était vraiment assez rigolo. Il y en a vraiment qui dormaient vraiment à point fermé, avec les yeux fermés, tout ça. Et non, c'était bien cool. Hein. C'était bien cool. Bon, il n'y a rien de mieux pour commencer une bonne journée que de faire une petite plongée. Faire une petite plongée tranquille. Super équipage. Super mono. Les gars sont vraiment super cool. Juste avant la deuxième plongée, le gars là, le capitaine, il me disait qu'en fait il jouait dans. Il avait été contacté et il a joué dans plusieurs épisodes de Hawaiian Five-O. Et donc c'est assez rigolo, bah, c'est ici que ça se passe quoi. Vraiment super, là on va regagner le port. Je suis en train d'essayer de reprendre un peu ma voix et mon souffle là, c'était une longue plongée celle-là. Et après, bah, je vais rentrer à l'hôtel, on va récupérer les filles. Ouais. Bon, bah, j'ai quitté le bateau. Et c'était vraiment super quoi. Super équipe, mono, super passionné. Et c'est eux là, ils sont en train de partir. Donc, Living Ocean avec leur bateau The Beach. C'était vraiment. Vraiment super quoi, pas prise de tête, les gars on enfile l'équipement, on va voir des trucs super. Hop à l'eau, on ressort, on bouge. Enfin voilà, pas de perte de temps. Vraiment sympa. Vraiment sympa. À refaire. Donc là on est lundi, c'est moi qui ai plongé aujourd'hui. Dans 2 jours c'est Cécile. Qui va plonger peut-être un petit peu moins profond, les paves étaient un peu profondes pour le niveau de Cécile. Donc alors un autre truc du coup mercredi. Et puis voilà, je pense que là je vais me faire un petit Starbucks avec un petit grand délaté comme d'habitude. Je rentre à l'hôtel et puis après on voit la suite du programme. Allez, tchuss. Et coucou, on a retrouvé Chouchou. C'était bien? C'était pas mal. On vient de regarder les images. Mon Dieu, mais ce qu'il a vécu, mais c'est un truc de ouf, je suis trop jalouse. C'était pas mal. Alors, pas mal. Demain, c'est à mon tour, donc j'espère que je verrai d'aussi belles choses. Donc, il est 11h. Mmh. Lana et moi, on a traîné ce matin. Elle a regardé le dessin animé, elle a joué avec ses trucs. Moi, j'ai fait le vlog d'Anomabe, ce qui m'a pris pas mal de temps. Et là, du coup, pour lui faire plaisir à la demoiselle, on va aller à la piscine de l'hôtel. Parce que ça fait 3 jours qu'elle veut aller à la piscine de l'hôtel. Elle veut aller à la piscine. Là, elle fait du boudin parce qu'on se dépêche pas. Et donc, on va y aller. C'est parti. Thank you.
tu es dans la piscine, toute seule. T'as respiré avec le masque et le tuba. C'était bien. Tu voudras refaire? Est-ce que tu voudras le faire dans la mer? Non. Le problème, c'est qu'elle a peur des poissons. Lana a peur que les poissons la touchent. Donc, elle veut pas faire dans la mer, mais... Je veux dans la piscine. Ouais, mais la piscine, elle est un peu froide. Hein. La mer, elle est plus chaude. Hein. Elle est plus froide. Allez, on espère que d'ici la fin du séjour, elle voudra bien faire dans la mer. Et là, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? On va manger et on va aller au parc. On va pas aller au parc, on va aller au temple. Qu'est-ce qu'on va manger? Il a fait quoi, papa, à manger? Des haricots verts et de la viande. Et tu vas tout manger? Bon abonnat. Allez, c'est parti. Il est... Quelle heure il est, Chou? Il est presque 14h. Et nous allons aller voir un temple bouddhiste avec un gros Bouddha, une grosse cloche que Lana va pouvoir sonner. On va pouvoir se défouler un peu. Ça va être super joli. Oh, la route qui tue. La route qui tue. C'est bon, il n'y a pas de temple là. Ah ouais, mais par contre, le pare-brise, il est tout crado. Alors voilà, on est arrivé, donc la vallée des temples, donc il y aura notamment celui qu'on est venu voir. Et là, ça doit être un cimetière. Là. Ici, les cimetières, en fait, il n'y a même pas de dalle ou quoi, c'est juste au sol avec une petite plaque. Voilà. Oh là là, le cadre, il est sublime, quoi. Les montagnes derrière, c'est trop beau. Voilà que c'est beau, hein. C'est pas le mieux avec cette montagne derrière. Alors, c'est 3 dollars par adulte. Non, c'est 3 dollars par adulte. Trop beau. Non, on n'a pas payé là? Temple guys, straight. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, des palmitos avec le bout vert là. C'est autrement plus joli qu'un cimetière tout gris. Ouais, c'est plus joli, ouais. Ouais, c'est très joli. Gigantesque le cimetière. On tourne en rond, oui. On tourne en rond? Je sais pas, peut-être. À droite. Je connais pas. Ah, mais à droite là, au sol. Là. Ah, oui, 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 oui. Il y a un rond-point. Parce qu'en fait, les gens, ils se mettent comment on appelle ça? En double fil pour visiter leur défunt. Et après, ils reprennent la route. Tu sais où elle est, là? Au temple. Au temple? Là, nous avons des dalles. Pierre tombale, voilà, c'est le mot que je cherche. Je pense que ça fait plus japonais que... Oui, on... Ah bah oui, hein. C'est une réplique d'un temple qui est au Japon. Le temple qu'on va voir, qui a 900 ans au Japon, sauf qu'ici il n'a pas 900 ans. Et le monsieur il te dit de te garer là. Comme ça. Voilà, on est arrivé. Donc on a payé 6 dollars pour Nico et moi. Lana ne paye pas. Et voilà. Petit Yudi. Bing. Trop beau. Allez Nico, fais sonner la cloche. Ça tue les oreilles. Alors à chaque fois que ça sonne, ça enlève toute la négativité, t'as une longue vie, enfin, bah vas-y, tape. Ça t'aurait une longue vie, mon chouchou. Voilà, tu vas vivre 100 ans.
Bon ben voilà, on vient de se faire un petit tour au temple. C'était super mignon, c'était super reposant, c'était super calme. Par contre, attention aux moustiques. Moi ça va, mais je crois que Nico s'est fait dévorer. Dévoration. Et donc voilà, c'est vraiment à faire si vous êtes sur l'île, parce que c'est vraiment dépaysant. Et du coup là, on reprend la route, on retourne à l'hôtel en fait. Donc c'est à 40 minutes de route. Et nous allons aller un petit peu dans le centre de d'Honolulu, parce qu'on l'a toujours pas fait. Enfin voilà, continuer Waikiki peut-être, mais de l'autre côté. Allez, après un petit stop à l'appartement, après le Japon, nous allons en Chine, puisque nous allons découvrir Chinatown de Honolulu. Voilà, on va en Chine et peut-être qu'on va manger là-bas, parce que Nico a la dalle et il veut manger chinois. Je suis pas contre, j'ai pas dit je veux manger chinois, par contre j'ai faim, il est 4h, j'ai faim. Il est 4h30, il veut déjà manger, hein, mais il s'américanise un petit peu trop, je trouve. Et ici, les deux roues, ils roulent sans casque. Pas de casque. Il n'y a personne qui a un casque. C'est pas terrible. C'est pas terrible, effectivement. C'est un petit peu dangereux quand même. Une autre variété de palmiers. Le palmier avec les feuilles, je ne sais pas trop comment on dit, mais pas plates. C'est trop beau. Et ça se construit, hein. Ça construit sur l'île, hein. Il est joli celui-là. Je suis trop contente. T'es contente de quoi? D'être à Hawaï? Et voilà, on est dans le centre de Chinatown. On va chercher une place. Ah oui, il y a des dragons là sur les... Golden Palace. Ouais, je suis trop contente d'aller à Hawaï. Eh ben... Voilà, on vient de se garer à côté du port. Et on voit au loin la Aloha Tower. Hein? Tu la vois la tour là-bas? Regarde, il y a l'avion juste au-dessus. Tu la vois la tour au fond? C'est la Aloha Tower. Alors, nous sommes vers ici là, et on va aller voir la statue du roi Kamehameha. C'est parti. Donc là, on est dans le centre-centre. Hein. C'est vraiment trop sympa. Il fait bon comme tout. Et on va aller manger japonais. Alors voilà, on est posé à un sushi. Ça ? Dehors, il fait super bon. C'est quoi ? Avec les palmitos illuminés. Ah ouais, mais t'as pas besoin de regarder le menu, toi. Si t'as pas regardé le menu. Donc voilà, juste un petit topo. Donc on vient d'aller dans le centre de Honolulu. Donc cette partie là était très sympa, là avec les statues, le Capitole et tout.
Et du coup, moi, je voulais aller voir Chinatown parce que Chinatown, c'est vraiment un endroit normalement que j'aime bien. À Bangkok, j'avais adoré. Celui de San Francisco, il est terrible. Et alors là, grosse déception. Ça ressemble pas à l'image que moi j'ai d'un Chinatown. Il n'y a pas de lanterne, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Il y a juste, c'est super mal fréquenté. C'est crade, il y a des ordures de partout. Enfin voilà, grosse déception. Franchement, si vous venez à Honolulu, ne venez pas, n'allez pas à Chinatown, ça sert à rien, c'est moche. En plus, là, il commençait à faire nuit, limite, c'était super craignos quoi. Donc voilà. Et ça, le chemin en bleu, c'est ce qu'on a marché, donc on l'a quand même bien traversé quoi. Mais non, c'était moche comme tout. Voilà, ne pas faire. Première déception hawaïenne, Chinatown. Bon, j'en ai pris deux parce que 5 petits bouts minuscules, ça me suffit pas. Hein. Toi, t'as pris quoi toi? C'est quoi ça? C'est des thon roll. Thon roll, des sashimi copieurs. Sashimi copieurs. Et Lana qui est accro aux edamame. Il manque les riz et voilà. Bon ben voilà, cette rue elle est super sympa. C'est Lowers. Il est très animé, il y a plein de restos, il y a plein de boutiques, il y a tout qui est ouvert. Et ces petits palmitos illuminés là. C'est exactement les mêmes que mon tatouage. Tout droit. Un long tronc fin et des jolies feuilles en haut. C'est exactement ça. Allez, on rentre à l'hôtel. On va faire dodo. Voilà, moi c'est pas maintenant, moi c'est dans longtemps. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tata Claire. Donc voilà, nous arrivons à l'hôtel. On va aller se coucher parce qu'on est bien fatigué. Il est super tôt en fait, j'ai honte de dire ça. Il est 8h30 du soir, les vieux. Mais on se lève tôt. Mais on s'est levé tôt parce que Nico avait plongé. Donc c'était une journée super remplie, surtout pour lui. N'empêche, toi t'as fait plonger, le temple, la balade après dans le centre, Chinatown et tout ça, le repas ce soir. C'était encore une journée bien chargée, bien sympa. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? T'es trop contente, Aline. Lana elle est très très fatiguée, il faut qu'elle aille se coucher. Elle a pas fait de sieste encore aujourd'hui. T'es contente mon bébé? Eh ben tant mieux. Du coup, je conclue, hein, parce que là, on va aller regarder peut-être un petit exorciste ou la série, je reprécise, ou on va se coucher direct. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 8h30 quand même. Un exorciste. Allez, on va opter pour l'exorciste et on va aller se coucher. Donc, on espère que le vlog, il vous a... Oui. À deux... Ah. Bi. Oh.